Aujourd'hui, quand on parle des femmes musulmanes, on nous renvoie à ces femmes, aux femmes iraniennes, aux femmes saoudiennes, aux burkas afghanes. Je veux dire, moi, ma condition de femme musulmane, ici en Europe, en plein cœur de Bruxelles, elle est différente. Moi, je souhaite beaucoup de courage à mes sœurs en Dieu qui sont en Iran, en Afghanistan, et qui ont des conditions de vie qui sont terribles, et à nous aussi de pouvoir les aider. Et pourquoi c'est ici? Parce que ici, c'est un pays libre. Mais nous sommes... En Iran, c'est un pays conduit par des musulmans. Alors, effectivement, vous avez raison, c'est une théocratie, je suis d'accord avec vous, mais justement, au nom de cette liberté, que la Belgique ne soit pas en contradiction avec ses principes démocratiques, elle doit justement être en cohérence avec ses principes et pouvoir laisser les femmes décider de s'habiller comme elles veulent. Et j'ai peur d'une chose, c'est que les hommes aient encore une certaine autorité sur vous. Et c'est ça qui me fait peur. Pas du tout, madame. Voilà. La conférence a été organisée dans le cadre des Assises de l'interculturalité. Et donc, les objectifs, c'est pousser ces barrières, parce que c'est vrai que cela forme justement des barrières, parce qu'on ne connaît pas l'autre, donc on a peur de l'autre, et on n'hésite pas à aller vers l'autre.